Chez les agriculteurs, l'inquiétude est grande. Toutes les filières agricoles réunionnaises sont durement touchées par ce mouvement citoyen des Gilets jaunes. Nous en sommes aussi parce que c'est les mêmes problèmes. On a notre bœuf, on a notre cochon. La situation est un petit peu difficile pour gérer par rapport à nous, on a de l'aliment, ils ne sortent pas. Mais, voilà. Mais sinon, nous tous les en esclavage, pareil. Les Gilets jaunes ne cassent pas, ils revendiquent. Mais les normales, tout le monde faut revendiquer. Ou travaille, ou travaille pas. Le bug, il coule. On a trop de taxes, on a trop de tout. Les coopératives, il faut abuser. Ils abusent tant que ça gagne, mais nous ne peut plus. Il faut que ça y réveille. Ces agriculteurs ne sont pas du tout contre le mouvement, mais ils demandent une meilleure structuration chez les Gilets jaunes. On demande au monde agricole de venir dans ce mouvement. Venir, oui, mais comment, avec qui, comment? Il faut que des gens en face de nous, qu'on puisse discuter pour mettre en place une plateforme pour porter ça à qui de droit, quoi. La campagne sucrière est-elle aussi arrêtée? Les cannes coupées sont en train de pourrir dans les champs. Moi, ce que je demanderais en tant qu'agriculteur cannier, que le préfet prenne la décision de faire circuler les cachalots la nuit et qu'on puisse reprendre rapidement la campagne sucrière. En résumé, ces agriculteurs n'en peuvent plus, mais ils se sentent complètement concernés par ce mouvement. Ils sont prêts à discuter pour mettre en place ensemble des revendications, mais les Gilets jaunes doivent trouver, disent-ils, des représentants avec qui ils pourront se concerter.